Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Luc 1, 49. Remerciements des évêques membres de la CENCO à la suite de la visite apostolique du pape François à RD Congo. Nous, cardinal, archevêque et évêque, membre de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO, réunis en assemblée plénière extraordinaire le 4 février 2023, au lendemain de la visite apostolique de sa sainteté le pape François, bénissons le Seigneur pour ces temps de grâce que nous venons de vivre. 1. Action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu qui a fait que la visite du Saint-Père se déroule dans de bonnes conditions. Nous remercions le Saint-Père pour sa sollicitude pastorale à l'égard du peuple congolais. Comment se fait-il que l'envoyé du Seigneur vienne jusqu'à nous? Luc 1, 43. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 21, 9. Nous saisissons cette occasion pour remercier nos fidèles qui ont répondu massivement à notre appel à se mettre en prière pour la réussite de cette visite apostolique qui a fait la joie de tout le peuple congolais 38 ans après celle du pape Saint Jean-Paul II. Nous exprimons notre gratitude particulièrement à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, d'avoir adressé l'invitation à sa sainteté le pape François pour visiter la RD Congo et pour son impulsion et implication dans les préparatifs de l'accueil du Saint-Père. Nous exprimons aussi notre grande reconnaissance à son Excellence Monsieur le Premier ministre et à tous les membres du gouvernement congolais ainsi qu'aux autorités politico-administratives de la ville-province de Kinshasa qui se sont engagés corps et âme en donnant de leur temps pour les préparatifs et les moyens financiers ou matériels pour la réussite de cette visite historique. Nos sincères félicitations aux forces de sécurité qui ont su maintenir l'ordre avec professionnalisme. Nous remercions Son Excellence Monseigneur le Nonce Apostolique et ses collaborateurs pour tout ce qu'ils ont donné pour le succès de cette visite apostolique. Nous exprimons notre reconnaissance au chef coutumier et aux responsables des communautés confessionnelles qui se sont joints à nous dans la fraternité et dans la communion pour honorer le pape François. Nous sommes redevables à tous les bienfaiteurs et bienfaitrices qui ont contribué financièrement et matériellement à l'organisation de la visite du Saint-Père. Que le Seigneur les comble de tous ses bienfaits. Notre gratitude s'étend également à tous les volontaires qui sont intervenus dans différents services, liturgie, santé, protocole
etc., pour la réussite de cette visite historique et aux professionnels de médias, d'architecture, de culture et art qui ont fait la fierté de la RD Congo par leur savoir-faire. Ils ont abattu un travail formidable. À vous tous, pèlerins venus d'autres pays, ceux venus de nos différents diocèses de la RD Congo, particulièrement à la population de la ville-province de Kinshasa, qui avait répondu très nombreux à notre invitation à participer à l'accueil et aux différentes rencontres avec le Saint-Père, va l'expression de notre reconnaissance. Deux fruits de la visite du pape. Le successeur de Pierre, le pape François, un bon pasteur qui connaît ses brebis, nous a laissé les paroles fortes qui ont affermi notre foi, ravivé notre espérance, enflammé notre amour et interpellé notre conscience. Ces paroles nous ont réconfortés. L'enseignement du pape engage chacun de nous à tous les niveaux dans le rôle qu'il doit jouer pour la croissance de nos communautés ecclésiales et l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant. Les images du diamant, du doigt, de la main, du palmier et de la forêt utilisées par le Saint-Père sont une symbolique riche qui nous invite notamment à la cohésion nationale. Nous nous exhortons à les méditer, à nous en approprier et à les mettre en pratique pour le dynamisme de notre Église et le bien de notre cher pays, la RD Congo. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Reine de la Paix, Notre-Dame du Congo, tous réconciliés en Jésus-Christ, que le Seigneur soutienne nos efforts de conversion, qu'elle consolide toute initiative de justice, de pardon et de paix dans notre pays. À la signature, les évêques membres de l'Assemblée plénière de la CENCO. Et là, quoi, l'Igosso, vous savez, le Koyeba, m'pote cardinal Azoa Maloba, et Zalaki, exigence, il y a protocole, il y a pape, programme d'ingé salemaki. Et puis ça, les magabongo, bipaignons, sont pas parlés kanaka, mais si ma messe, archevêque ou évêque, et si quand il papa yambami, à cause de maloba, nantina se moko, pour n'a copé sa papa, merci. Et puis, à zalaki na minute, ni sa toukak. Et zalaki pe na, et si quand il y a l'équipe, président à Senko, ou à zali mon conseiller, puisque pour nous, Azoa Maloba, a izalaki kana siko tozali oyo, pona koyebisa papa oye asenga koyebisa na kombo ya ekolo mobimba. Alors, ezala bato ya nzela to mesani wa mesani kosala bisala sala koyemba, me kasawa na koyoka na matoyi na nga moko ba journaliste ya mayele oyo bazali bato ba mesani kosala ba analyse. Bakota pe nanzela wana balobate na landi par exemple Thierry Kabundo alobi vraiment zazali ko regretter na ndenge te cardinal tango zima loba après a remercier qui chef de l'état te na uti ko ebisabino azala ki na 3 minutes po na ko ko remercier papa na ndenga ekotala bana Kongo bazali na pasi. Ce qui bolanda ki misa oyo papa sali na lelo na Soudan e pa yake na sima mes archevêque ya Djouba azwaki maloba bobele pona kopesa papa merci lelongo na bye bye na ye pe aloba ki on dirait ce ka bayoga na cardinal. Alors, qui est la bateau, bazali bosonaya, bazali ba innocent, bazali ko souffrir na guerre, ba erinchi na te.
Wana ezali maloba ya pasteur ezali te esika ya kopesa merci. Merci bapesaka na suka makambo. Wana tozalaki nanu na misa, sima misa, na tongo, makambo msee Seigneur salema te, mi yango wana. Tango bakendeki d'abord kozongisa papa na kotika papa na aéroport. Mokonzi ya Senko, na kombo ya Senko, azwaki libaku ya kopesa chef l'état merci. Kasi oele ki litomba, ba episi kopo nyonso ba bongisa ki deja, te sima ya boke wa papa, ba kokuta na pona kosala mukanda, pona kopesa merci na bana mboka, merci mingi mingi penza na mokonzi ya mboka, président Félix Antoine Tshisekedi, oyo atinda ki papa invitation pote papa ya, oyo asala ki mingi pote visite oyo ebonga manandenge bongami. Donc ba episcopo nyonso basangani motema moko na cardinal elengele makibongo wana ndenge ya kosema ya opesa merci. Na landi par exemple Christian Lokwaseno azali ko regreté alobi papa cardinal Azuma Loba asali ata les yeux moko na situation ya batu ya pasi na STT. Ba pesie maloba pona 3 minutes Vatican muta exige yango. Mais kozangonga ya kosala discours en plus ya oya sengali ko loba mpona papa mpona kopesa batu nyonso merci mpona loba situation a est ezali kopesa impression que cardinal ezali na souci ya batu a est te nana yebi tete cardinal ye moko akende kiti na est etango azalaki kuna moni pasi ya est agangaki alobi bokeba danger ya bakanisation ya mboka ezali bato batongo ke mingi na bato mosusu bokoye kokanisa te ke bakoka kotonga ye mpo alobaki likambo ya bongo. Awa cardinal azali koloba na papa bakristo bazali liboso na yo bana ya Congo bazali liboso na bazali yo baza na situation ya souffrance na kati na bango delegation oyo ya bavictime ya est bazalaki wana kaka mokolo wana ya misa ebongisamaki te papa ayamba pendant une heure ba victime survivant ya est kote tango ayambaki bango mai etangaki na misu na ye. Alors bongo cardinal na mwa minute mike bapesi ye wana Alex lisusu tango mpona likambo ese ebongisamaki te papa ayeba situation nani azali mieux placé mpona koyebisa cardinal papa situation ya mpasi ya est. Bato bazali kuna na kati to cardinal awa cardinal ayebaki papa kokutana deja na bango et puis azali kolama na 3 minutes pamba bongo bandeko ezali vraiment likambo ya mawa na niveau wana koloba makambo bongo sans que osala analyse alors que tozali ba intellectuel na lami pe mosusu alobi o église catholique ezali ingrate azali reconnaissante po abimisi ata likuta moko te gouvernement asali nyonso mais wana ezali kofinga bakristo na biso oyo basali basacrifice mpona kocontribue ya solo gouvernement asali mingi leta asali mingi 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 yango wana baepiskopo bakomi mukanda mobima mpona kopesa merci na chef l'état mpona kopesa merci na premier ministre mpona kopesa merci na police mpona kopesa merci na bato banso oyo na niveau ya province batiaki maboko pote visite apostolique ezala na succès kasi akote na yango église pe tosalaki mingi tozwaki ba disposition balatisa banganga nzambe 3000 vous savez ce que ça coûte on a prévu accoutrement pour na 100 évêques vous savez ce que ça coûte ndakisaraka suite ya papa oyo bavandaki na hôtel Pullman ezali église mutazwaki bango en charge. Donc kozanga koyebeza pe likambo ya mawa yango wana awa na zima loba na lingi vraiment bana Congo bayeba te cardinal aza na likambo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi te église catholique aza na likambo na leta te boyeba te cardinal azali tata molingo oyo alingami na bakristo mingi na niveau ya ekolo ya biso kosakana na ye kofinga ye ezali pe
kosimba motema ya ebele ya bato balingi ye na politique ezaleli kama malamu te yango na bosenga na ba conseil de paix mingi pe bazali ko sepela te na ndenge makambo lekanaki na ba koyembela contre kana ezabat oyo bayibi bango ba video ezali bakanisi bazako sala musala pona ko soutenir mukonzi ya mboka kasi eza musala oyo ekoki kotourner pe contre mukonzi ya mboka donc wana ezali conseil na pesi bango. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du pays.